Voilà. La famille, la recette de Jessica là, la recette d'avoir le goût, la recette d'être sucré pimenté, la recette de renforcer le mariage, de donner le goût au mariage. Le mariage, c'est le mariage. L'homme soit pour toi. Je vous pour toi. Toi seul, tu ne vas pas partager avec quelqu'un. C'est pour toi. Parce que pourquoi tu vas partager? Parce qu'il y a femme, il y a femme. Tu n'as pas pu faire quelque chose pour le Jessica là. Mais tu as remporté le Jessica. Je vous assure, l'homme là ne va pas aller dehors. Ok, mes chéris? Voilà, c'est ça. Il faut râper ça. Quand tu vas tout ça là, il faut râper ça. Quand tu vas râper ça, il faut la filtrer. On a besoin de l'eau là. L'eau de coco que tu vas râper. Tu vas râper d'abord. Casse le coco, tu vas râper. Quand tu râpes là, tu vas la filtrer. Quand tu la filtres là, le jus là qu'on a besoin. Qu'est-ce que tu vas faire avec le jus là? Tu mets dans une boîte aussi. Voilà. Dans la marmite, tu dois être prête. Il faut prêter la marmite. Voilà la famille. Ça, c'est date. Il faut couper sa date là. Tu mets dedans au feu, tu déposes. Ça prend pas du temps, juste 10 minutes. Voilà, ça va être pimenté, sucré là. Pour faire fou là, tu vois non? Il faut ça couper ça en petits morceaux comme ça là. Quand tu coupes ça en petits morceaux là, tu mets dans l'eau de coco là que tu as mis là. Tu déposes au feu la famille. Qu'est-ce que ça prend pas du temps? Qu'est-ce que tu vas faire mes chéris? Je vous assure. C'est le clou de girafe, c'est le grain là. Voilà le poudre. Donc, tu vas écraser ça en poudre. Prenez juste une cuillère de ça là, tu grattes ça en poudre. Même les infections, ça ne laisse rien, mes chéris. Voilà, tu vois, non? Quand tu vas finir comme ça, vous le voyez, non? C'est le poudre, ça. Tu prends une demi-cuillère comme ça, tu ajoutes dedans la famille. Voilà. Quand tu ajoutes dedans, qu'est-ce que tu vas faire, la famille? Je vous assure. Mets ça au feu. Voilà. Il faut la remuer bien. Voilà. Ce n'est pas fini d'abord, hein? C'est pas fini. Vous le voyez, non? Vous le voyez, non? Ça aussi, ça va dedans. Voilà. C'est le tinkon. On dit tinkon qui c'est. On appelle la tinkon qui c'est. Vous connaissez tinkon qui c'est, non? C'est ça le tinkon qui c'est. Chouchou. On appelle, je dis chouchou baou. Tinkon qui c'est. Ça là, il y a fraîche, il y a sec. Si tu as. Moi, j'ai fraîche comme ça, hein, parce que. Donc, ça là, tu mets dans l'eau. Tu mets aujourd'hui dans l'eau. D'ici demain là, ça va être bien. Voilà. Tu peux mettre aujourd'hui encore. D'ici au moment que tu seras prête là, ça va être. Mais ça ne serait pas bien mouillé, bien là. Donc, voilà. Tu mets ça aussi dedans dans l'eau. Voilà. Tu mets ça, tu vas écraser ça aussi. Quand tu mets ça dans l'eau là, il faut la mettre dans la machine. Tu vas écraser bien. En mettant, en écrasant, il faut ajouter un peu de l'eau. Quand tu ajoutes de l'eau là, maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Il faut la écraser bien. Quand tu vas finir à écraser là, il faut la filtrer. Voilà. Il faut la filtrer bien. Tu vas ajouter l'eau là avec le coco, la machine. Voilà. Quand tu vas finir à préparer là, qu'est-ce que tu vas faire, mes chéris, mes amours? Quand il faut mettre dans une tasse comme ça là. Quand tu vas finir à mettre le tasse, voilà le miel. C'est ça. Tu ajoutes ça dedans. Boire ça 30 minutes avant de provoquer ton homme là. Tu seras champion là, va échauffer. Tu seras la reine.